Les recommandations de l'OMS privilégient le lavage fréquent des mains ou l'utilisation du gel hydroalcoolique comme désinfectant. Le gant est plus recommandé pour le personnel médical qui est censé manipuler les substances, les fluides biologiques qui proviendraient d'un patient qui serait atteint du COVID-19 ou de toute autre maladie. Donc le porter en tant que communauté n'est pas vraiment assez efficace et n'est pas recommandé. Le lavage des mains est crucial parce que le cas échéant de la pandémie au COVID-19, c'est un microbe qui est propagé principalement par les mains infectées, c'est-à-dire le lavage régulier de mains est une des premières mesures barrières qui nous permettent de lutter contre la propagation du coronavirus.